Bonjour à toutes et à tous. Petite vidéo rapide pour vous présenter la prise connectée de chez Ombly qui me permet via l'application de voir ma puissance instantanée de production de mes panneaux solaires. En effet, il y a beaucoup de retours sur l'application BIM qui précise qu'elle n'est pas assez précise pour connaître sa production instantanée. En effet, quand on clique sur le soleil, on se rend compte que la puissance est une moyenne effectuée sur les 3 dernières minutes, dans mon exemple 280 watts. Mais ça ne me donne pas l'indication de la production instantanée de mes panneaux. En branchant directement le kit BIM Energy via la prise connectée sur ma prise de courant, cela va me permettre, par l'application de Ombly, d'avoir ma production instantanée. Voici la page d'accueil de l'application Ombly. Elle présente les prises connectées qui sont dans notre foyer. Donc moi j'en ai deux, on peut les classer par nom, on peut également les ranger par pièce de la maison. Donc moi j'en ai une pour mes panneaux solaires de BIM et j'en ai une aussi pour ma prise de recharge pour ma voiture électrique. Quand je vais sur la prise des panneaux solaires, il y a quatre petits boutons en bas, donc là elle est sur On. Et si je vais sur le bouton Énergie, je peux voir la production instantanée actuelle, qui est de 251,5 watts. C'est une production en temps réel, et là, ce n'est plus une estimation de moyenne sur les 3 dernières minutes. Nous avons également un historique de production. On peut également créer des scénarios avec nos prises sur l'onglet Scénario. Donc moi, j'ai créé un scénario très basique qui déclenche lorsque la production de mes panneaux atteint 300 watts. Ça m'envoie une notification sur mon téléphone. Ça me permet de savoir quand est-ce qu'ils sont à plein régime. Et du coup, je reçois une notification directement sur mon smartphone. On pourrait imaginer un scénario, par exemple, pour ceux qui veulent optimiser leur production et qui estiment que le talon de consommation de leur foyer est, par exemple, de 200 watts, qu'un scénario se déclenche lorsque la production atteint 200 watts et allume une autre prise connectée du foyer. Là, par exemple, chez moi, la prise de recharge de ma voiture électrique qui pourrait s'allumer au moment où la production atteint 200 watts. Tout à fait possible avec cette application. C'est une solution à moindre coût pour ceux qui souhaitent optimiser leur production. Je vous mets en description de la vidéo le lien vers la prise Ombly que j'utilise chez moi. Et je vous mets également le lien d'une prise d'une marque équivalente qui présente exactement les mêmes fonctionnalités que cette prise. Elles ont le mérite également d'être étanches pour être utilisées en extérieur. Je mettrai également le lien d'une prise connectée de la même marque pour l'intérieur du foyer, pour par exemple déclencher un ventilateur pendant l'été, pourquoi pas, ou un climatiseur mobile si vous estimez que la production de vos panneaux va au-delà de ce que vous avez besoin pour votre talon de consommation. Je vous remercie et vous dis à bientôt pour une autre vidéo.